Bonjour. Est-ce qu'il y a un esprit qui souhaiterait entrer en communication avec moi? Esprit, es-tu là? Est-ce qu'il y a une entité présente avec moi? Si oui, répondez par oui en haut à gauche. Cette expérience a pour but de vous montrer qu'il est très difficile d'entrer en communication avec une planche Ouija. Voyant qu'il ne se passe rien, je décide d'allumer la ghost et de leur poser la question. Est-ce qu'il y a une entité présente qui souhaiterait rentrer en communication avec moi par la planche Ouija? Est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là. Merci. C'est plus facile par la ghost ou par la Ouija? Par la ghost. Je vais vous mettre au ralenti le message où ils disent que c'est plus facile par la ghost, et moi je réponds par la ghost, et une autre entité derrière dit le mot ghost. Par la gauche. Par la gauche. D'accord. Le message au ralenti est « Il y avait des morts ». Vous avez un message? Pierrot, vous êtes là? Pierrot, est-ce que vous êtes encore avec moi? Vous préférez qu'on communique par la ghost ou par la Ouija, s'il vous plaît? Vous voulez que j'enlève la Ouija? Ne voyant pas de résultat par la table Ouija, je décide de prendre la gosse. Est-ce qu'il y a des entités qui souhaiteraient laisser un message pour mon groupe ou pour une autre personne en me disant votre nom? C'est Stéphanie, vous pouvez me dire votre prénom? Vous savez que vous pouvez allumer les petits capteurs qui sont ici afin de me montrer que vous êtes bien présent avec nous.
Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Vous avez peut-être quelque chose à nous dire, un message à délivrer. Je le ferai suivre comme d'habitude. Je pense que vous avez entendu le « on est tout prêt ». Vous avez un message à transmettre ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la Ouija ? C'est parce qu'on a mieux pour communiquer. La ghost est plus facile. N'hésitez pas à communiquer, hein. Je vous laisse libre de parler. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi la Ouija n'est pas si facile que ça pour un support de communication. Beaucoup de gens pensent qu'elle est dangereuse. Est-ce que vous pouvez nous dire si pour vous la planche Ouija est dangereuse ? Bien que je connaisse la réponse. Est-ce que vous trouvez cette planche dangereuse et pratique de contact avec vous ? Non, hein, on est d'accord. C'est déjà difficile pour vous de parler, hein. Mon portable, qu'est-ce qu'il a ? Vous voulez parler sur mon portable ? Fabien ? Fabien, c'est toi ? Ça va ? Thank you.
Pourquoi je tousse? J'ai une allergie. Vous faites un petit je t'aime en musique? Un petit je t'aime en musique et après je vais vous laisser tranquille, je clôturerai la séance. Alors je vous embrasse. Bisous. Fin de la séance, je vais donc vous transmettre quelques messages car j'aurais eu beaucoup de mal à tout traduire et à tout mettre les messages. Alors là, on parle de ma fille, on me dit donc, et sa fille Océane. Les messages qui vont suivre, c'est les questions que j'ai posées au début, à savoir si la Ouija était facile pour communiquer avec eux, et quand je leur ai demandé s'ils préféraient la Ghost, donc il y a quelqu'un qui me dit « je peux répondre ». Message même pour réussir. Message, il y avait des morts. Voilà, c'est la fin de cette séance. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas pu tout mettre tous les messages car comme je l'explique, cela prend énormément de temps à analyser, hein, c'est seconde par seconde. Donc je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez entendu. C'est toujours agréable d'avoir une autre oreille. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance car je compte régulièrement les filmer. Je trouve que c'est plus sympa. Je vous fais plein des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.